scène comme on en a la vie, c'est Ananda. Et mon groupe, il s'appelle Tapkal. Le groupe existe depuis 2 ans maintenant et on est 4. J'ai dû commencer à écrire mes premiers textes, je sais pas, il y a 5-6 ans. En 95, on a fait un hommage à... Ça faisait 20 ans que mon père était décédé. J'ai sollicité pas mal d'artistes. C'est ce qui m'a donné l'envie de continuer avec eux. Et puis d'abord Gilles, puis assez vite Samy nous a rejoints. Et puis depuis un an maintenant, Julien est avec nous. Mon instrument, c'est celui de mon papa. Il en a eu plusieurs et il m'est resté celui-là. Et après plus de 20 ans qu'il soit mort, j'ai décidé d'investir l'instrument. Je me suis dit non, mais on dirait que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de partager des choses avec les gens, de leur dire des choses. Du coup, j'ai commencé à écrire et puis j'ai sollicité des musiciens plus confirmés pour après m'accompagner. Quoi, voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se prend au jeu. Et puis, je s'avère que la scène, j'aime ça en fait. Je trouve ça, le partage avec les gens, quand on arrive à être pour de vrai, c'est riche. C'est peut-être le moment le plus intense qu'on peut vivre, quoi. Donc, un moment où on peut vraiment se mettre à nu, donner tout ce qu'on a à donner. Pas du tout les instruments traditionnels de la Réunion et du Maloya. Et si la base rythmique, souvent, elle est ternaire, après, on en sort facilement aussi. Donc, c'est une proposition qui essaye d'être large. En fait, on a plein de sons qui nous viennent de partout, de toute la planète. On est influencé forcément par le terroir, par là d'où on vient, mais on a des sons qui viennent de partout et ils sont riches, ils sont intéressants à prendre. Donc des fois on les accapare. Je viens à la musique parce que j'ai envie de partager des choses avec les gens, j'ai envie de leur dire des choses. Parce qu'on passe, on passe sa vie, quoi, et puis bon, on sait qu'il y a le bout qui vient malgré tout, hein, on fait que passer. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? Alors moi j'avais envie de parler de plein de choses, de la mort qu'on élude systématiquement et pourtant si on la met vraiment au centre, et ben peut-être qu'on n'a pas la même manière d'appréhender la vie, quoi. Je parle de quoi ? Je parle de lâcher prise, de se libérer, de pas rester enfermé dans le système dans lequel on arrive et qui pose un cadre mais qui dont on peut soustraire. Il y a plein de choses aussi qui sont oniriques, hein, qui sont pas, où je sors du réel et où c'est plus de l'ordre de l'émotion ou d'atmosphère que je veux faire passer, du rêve. Je suis pas non plus que ancrée dans des messages. Oui, la vie quand même que...
fond de l'eau, repose matelot. Et un clip qui sortent en fin d'année et qu'on devrait commencer à tourner fin 2018 ou début 2019, sortir de la Réunion un peu et voir un peu ailleurs. Voilà.